La Coupe Stanley termine sa journée à Sherbrooke, à la brasserie La Seigneurie. Stephen Waite a rassemblé sur la terrasse sa famille et des amis proches pour une dernière célébration autour de cette icône du hockey professionnel. C'est la partie avec les chums, la famille, puis ça finit bien. On en a fait toute une journée fatigante, mais ça vaut à peine. C'est priceless, ça n'a pas de prix. Là, on est en famille, fait qu'on se laisse un peu plus aller. On a du plaisir, tout ça. C'est des amis proches, la famille à Stéphane, des copains aussi de travail à Stéphane. C'est comme un peu un mariage, là. On sort de table en table, dire bonjour à tout le monde qu'on connaît. C'est moi, en tant que joueur, j'ai pas eu la chance de la gagner. Puis Stéphane, il ramène ça ici, comme j'ai dit avant, deux fois en quatre ans. Tu sais, on dirait qu'on l'a pris un peu comme acquis après deux fois en quatre ans. Donc, non, on est vraiment fiers de Stéphane avant tout. Et puis Stéphane, il a travaillé très fort pour ce centre-là. C'était un cheminement de 25 ans de travail pour pouvoir avoir la Coupe Stanley. Donc, il mérite entièrement. Comme on peut voir, le hockey, c'est ici une affaire de famille. Le fils de Stéphane aussi, Frédéric, commencera bientôt, mais il sera arbitre. Des fois, j'ai dit comment ça marche ou comment les coachs pensent. Puis je le teste, puis il est bon, il va être très bon. Puis son but, c'est comme moi, c'est d'être le meilleur, puis d'être dans la Ligue nationale un jour. Puis il est bien parti, puis bien fier de lui. C'est sûr que je me sens un peu petit là, comparé à tout ce que lui a fait, mais un jour, on va faire quelque chose de gros, moi aussi, j'espère. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps, c'est ça. Ouais, ouais. Est-ce que la bonne graine, vous pensez? Oh, oui, il y a du nerf. Moi, dans l'affaire, il est fait solide, puis il n'y a pas grand-chose qui l'impressionne qu'un arbitre. Je suis pas inquiète pour mon gars. Et le travail recommence bientôt pour Stephen Waite avec une nouvelle équipe et de nouveaux défis. On retourne au travail demain, puis on va recommencer étape par étape avec Canadiens. Puis c'est un long processus. On va focusser sur gagner la première game, puis après ça, on verra à partir de là. Mais pour moi, il n'y a rien qui change. C'est le même job que j'ai fait à Chicago pendant 10 ans de temps. Donc, j'ai bien hâte que ça commence. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.